Je suis partie depuis des mois, alors elle a trouvé un autre mec. Tu sais, ça me fait du bien de te dire ça. J'ai trouvé une autre fille. Super canon. C'est une prof de yoga. Aussi souple qu'une panthère. Mais bon, c'est pas une lumière. Et t'es amoureux, c'est ça ? Arrête. On se connaît à peine. On s'est vu quelques fois. C'est la bonne ? J'en sais rien. Je veux simplement me caser, tu peux comprendre. Je serai prêt à tout. Le fantôme est en chemin. Je répète, le fantôme est en chemin. Oh, voilà l'ennemi. Je suis un romantique, moi. Je dirais un mercenaire. Ouais. Yasha, donnez-moi votre statut. RAS, pour l'instant. Et si on retournait à la vie civile ? Merci, mais sans moi. Vas-y, toi. Tu devrais te trouver une copine. Je suis sérieux. Peut-être bien, ouais. Peut-être bien, ouais. Et je les connais pas, eux. Bon, là, on a des grenades. Le coup classique. Et des manpads. J'en veux bien pour moi. Oh, le nouveau boss. C'est donc lui, le fantôme ? J'ai entendu des trucs sur lui. Il est pas comme les autres. Il vient souvent sur le terrain. J'aurais dû te tuer à coup d'Hermès. Mais t'étais qu'un gamin. Lâche mon fils. Voilà ce que je te donne pour l'instant. Je pense que ça va suffire. Garde ton argent. Écoute, voilà ce que je te propose. Je te dénonce pas aux flics et je te donne tout ce qu'il y a dans l'usine. Papa !
Pourquoi tu t'arrêtes, Nikki? Danse, mon garçon. Ce môme. Ça roule. Tu me files une raclée et tu me demandes si je vais bien? Tu ferais mieux de ne pas recommencer. Tu parles d'un éducateur. T'es là à te cacher de je ne sais qui. T'as fait une bêtise, c'est ça? Et si je te dénonçais à la police, hein? Cardioda, tu veux? Tiens, ça va te suffire. Prends soin de lui. Tu pars pour longtemps? On verra bien. Je vous dis, les gars, il y avait un mec, Byron, il s'appelait. Un comte ou je sais plus trop quoi. Un lord, idiot. Ouais, on s'en fout. En tout cas, il se prenait pour un génie, et il a couché avec sa sœur. Non, mais t'imagines ça. Sans déconner. Le mec, c'est pas Pushkin, hein. Un problème, chef ? Oh, oh, ça va ? T'es perdu ou quoi ? Ok. On a perdu sa maman ? Quel abruti ! Eh ben... Ok. Les gars, c'est un vrai dur. Je vois que vous avez fait connaissance. Qui c'est ? Et eux ? J'avais dit des soldats. C'est bon, Quick, laisse-le. Laisse-le tranquille. Viens. C'est pas des pros, ça. C'est risqué. Nikki, pourquoi tu t'inquiètes? Ils vont suivre tes ordres. C'est pas ce que tu voulais? Je voulais des soldats. Si ça se passe mal, ils sont morts. Tous morts. Tu sais pourquoi ils servent du café dégueulasse dans les stations? Parce que ça ne sert à rien du tout d'investir dans des trucs chers qui sont pas rentables. Vaut mieux avoir de la merde pas chère, mais rentable. J'ai un plan, mais pas avec ces gars-là. T'as absolument aucun plan. T'avais juste une vague idée. Et c'est moi qui ai tout arrangé. Je t'ai trouvé une équipe. J'ai réuni toutes les infos qu'il nous faut. Fais-moi confiance. C'est des pros. Ils sont jeunes.
Voyez-vous ça? On a peur, c'est ça? À moins que tu veuilles laisser tomber? À toi de voir. J'accepte. Super. Salut. Alors, c'est là-bas? Oui. Qui c'est? C'est la secrétaire. Elle te plaît? Salut. Et qui nous fait cet honneur? Votre secrétaire, s'il vous plaît. Hey, regarde, mec. Quelle classe, franchement. Ah, si c'était ma sœur. Ok, bon, est-ce que tout le monde est là? Nikita, ici présent, est de la partie. Quoi, ce mec? Vous allez devoir suivre mes ordres sans discuter. La sécurité a pas d'armes, c'est ça? T'inquiète, j'ai vérifié. T'en es sûr? Leurs armes ont été saisies hier, jusqu'à ce que les violations soient éliminées. Ils étaient puissants dans les années 90. Mais les temps ont changé. On a le dessus, maintenant. On a besoin d'au moins une arme. Si vous tabassez quelqu'un, je peux vous couvrir. Mais si vous butez un mec, je peux rien faire. Les enfants, on est en meilleure position pour négocier. Mais dans le cadre de la loi. Je vous ai engagé pour neutraliser la sécurité, non? Alors vous allez faire ce qu'on vous dit. Vous attendrez que je vous donne le feu vert. Soyez rapide, discret et efficace. Et moi, je me chargerai du reste. C'est compris ou je répète? Quoi? Je suis allé dans ce bar clandestin et ce crétin était assis en plein milieu. Le chauve, là? Non, le mec qui était avec Zarachensky. Il ne reviendra pas, le chauve. Bonjour. Ma beauté, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est pas Natalia aujourd'hui? Non, c'est moi qui la remplace. Rien de grave, j'espère. Oh, un problème de tension artérielle, je crois. Je vois. En tout cas, vous êtes bien plus agréable à regarder. Je crois que c'est ta tension qui fait les siennes. Oh! Et qu'est-ce qui te prend, hein? Tu veux qu'on te vire? C'est ça que tu veux? Tu sais qui je suis, moi? Ouais. Un pleurnichard. Et toi, ça te fait rire? Quoi? Moi, un pleurnichard! Redis ça pour voir! Fais attention à ce que tu dis, petit con. Sinon, je vous bute toi et ton paternel, ok? Rassieds-toi. C'est bon, Petro. Laisse le petit. Je vois qu'on s'amuse ici. Tu m'as l'air en forme, Petro, je me trompe? Non, je m'en grille une, c'est tout. Arrête de fumer, c'est mauvais pour la santé. Comme tu as pu le constater, Petro est en guerre. Vassili Mikhailovitch, en tant que représentant du plus gros actionnaire, j'exige que cette gare soit virée sur le champ. Le plus gros actionnaire, c'est ton père. Un homme respectable. Alors ne l'embarrasse pas et assieds-toi. On insulte les actionnaires. C'est son père l'actionnaire, pas lui. Sors d'ici. Oh. Bravo, Vassili, bravo. Va te faire foutre avec ta galanterie, j'en veux pas. Mettez les uniformes. Les uniformes de vigile, c'est ça ton plan? Attends, tu plaisantes, j'espère?
Putain, regarde-moi ça. Surveille ton langage pour la dame, tu veux ? On te suit. Quand on aura fini, tu rentres par l'entrée principale, ok ? Non, je veux voir ce qui se passe. Je préfère vous suivre. T'en es sûr ? Attends, tu vas voir. Dans les années 90, on y allait à coups de blindés, non ? Ce temps est révolu. Ça se voit. J'ai trouvé ça par hasard et je me suis dit que ça pourrait t'intéresser. Oh, un vieux numéro d'arme blanche. Où est-ce que t'as trouvé ça ? Tu sais, Eva, les combats étaient nobles à l'époque et leur issue dépendait du maniement de la lame. Tous ces petits cons sont les créations de Monsieur Colt. Prends cette hache. Non, ça ira. Je suis aux archives si vous avez besoin. Je vais trier les dossiers. C'est ça, oui. À l'époque, ils fabriquaient des missiles dans cette usine. Et regardez dans quel état elle est aujourd'hui. Silence. Maintenant, ils produisent de la vodka. Chut. Pour empoisonner les Russes. Non, je peux pas y aller, les gars. Il est malade, ce mec. Chut. Oh, tu délires ou quoi ? L'embêtez pas trop, les gars, ok ? Sinon, vous allez au-devant de prises de tête interminables, croyez-moi. Bon, on y va ou quoi ? C'est quoi ce taudis ? On est où, là ? C'est un bien immobilier de premier choix. Vraiment cher. Pour qui ? Un promoteur immobilier. Ils sont nombreux ? 30 ou 40. Ah ouais ? Ils ont peur de nous ? Ils ont peur de leurs employés. C'est pour éviter qu'ils mouchardent. Avant, ils étaient encore plus blindés niveau sécurité pour se protéger de l'ennemi. Maintenant, ils se protègent des leurs. Ils transportaient des missiles dans ce tunnel à l'époque des Soviétiques. Il reste plus rien, maintenant. Le gérant est un vrai crétin. Il a pas voulu coopérer. Tant pis pour lui. Le technicien vient avec moi. Les autres, vous ne sortez pas avant mon signal. Oui, chef. À vos ordres. Putain, mais c'est qui dans la zone de transport ? Roma ! Arrête de jouer deux secondes, tu veux bien, ouais ? Téléphone, internet, ok. Et les caméras ? Contrôle, vous m'entendez ? Vous pouvez voir qui est dans la zone de transport. Terminé. C'est bon. J'ai réussi à mettre les vidéos de la semaine dernière. Brouille le signal. Je n'arrive plus à la voir, j'ai plus de connexion. Laisse tomber, on boit vite et on part. À votre santé, les gars. Salut, les gars. Je peux me joindre à vous ? Vous m'offrez un verre ? On a un mec bizarre dans la zone. Oh, doucement, hein ? Ok, doucement. Ouh.
Comme tu nous l'as demandé. C'est rapide et c'est discret. Attache-les. Et demain. Et vous ? Hey ! La ferme. Lâche-moi, enfoiré ! On y va. Hé, hey, gamin. Tu veux mourir, c'est ça? Vas-y, attrape-le! Allez, 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 c'est quand la relève? Je commence à avoir faim. Dans une heure et demie. Va à la cafétéria en attendant. Hé hey ! Ça va, les gars? Dégagez d'ici. Je voulais juste vous prévenir. Vous êtes qui? Comme tu voudras. Allez, viens. Appelez du renfort. Ça suffit. Il a son compte. Je me trompe. Ok, assez joué, les gars. Voilà, le travail est fait. Ok, les gars, où sont les autres? Dans l'atelier. C'est un gars que tu connais? Un petit sourire? On a une mission à terminer. Dans un musée tout pourri, à la soviète. Eux aussi, ils travaillent pour la sécurité. C'est des actionnaires. Eh, mais c'était pas dans le plan, ça. T'inquiète, vous aurez un bonus. Je vais négocier. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du réchauffement climatique? C'est de l'arnaque. Attends un peu. Bonsoir. Ceci est une prise de contrôle. Pour votre sécurité... Appelez du renfort. Sortez d'ici. Qui sait encore, ce guignol? Je te jure. Je suis sérieux. C'est pour votre bien. Je vous le demande. Allez, arrête tes histoires. Non, non. Faites ce que je vous dis. Viens qu'on discute, alors. Attendez. Attends, reste tranquille. Stop! C'est dans votre intérêt, ok? Attends. Du calme, du calme. Je vous le dis, mettez-vous au sol. T'es qui? Qu'est-ce qui se passe? Je vous le répète.
Mettez-vous au sol, main dans le dos. Alors vas-y doucement. Tout doux, hein? Ça marche. On fait comme ça, je fais doucement. Arrêtez, s'il vous plaît! J'appelle la police! Ça suffit! Stop, stop! C'est bon, les gars, reculez! Faites ce que je vous dis et il n'y aura pas de blessés. On y va? On n'obéit pas, hein? Un petit coup de main? Le plein écran. Tu veux du pop-corn aussi? Intéressant, hein? Quoi, mec? T'en veux encore? C'est bon. Du calme. Attachez-les. Je sens qu'on va s'éclater. Allez, venez, on vous attend. Allez, venez. Hé, revenez. On va vous faire la peau. Hey. Revenez. Hé, hey, toi, reviens ici. Bande de minables. Super!
Quand ma femme dormait hier soir, j'en ai profité pour regarder du porno. T'as le temps pour ça, toi? Bienvenue, allez, les gars! Venez. Qu'est-ce que vous attendez? Venez, on vous attend! Eh, hey, bon, allez, venez! Vous avez peur? Ou quoi? Par ici! On va jouer! Eh, hey, venez, venez, venez! Par ici! Venez, venez, venez! T'en veux encore? Hein? T'en as pas eu assez? Hein? T'es fini, mon gars. Rentre chez ta mère, mon gars. Qui vois-je? Tu pensais m'échapper? Attends, tu vas voir. Lâche-moi! Alors, on respecte pas ses aînés? Hey, qu'est-ce que t'as fait à mon pote? Ça va. Et sinon loin. Quoi, hein? Hey, ça va, Quick? Il a les côtes cassées. Doucement, soldat. J'ai quelque chose qui va te faire du bien. C'est quoi, ça? De la morphine. Bien joué, docteur. Ça marche. On a une mission à terminer. On part pas sans lui. Mettez-le dans les vestiaires en attendant. Et fermez l'atelier. J'ai couru jusqu'ici. En traversant l'usine, ils ont étalé tout le monde. Asseyez-vous. Il y a une réunion des actionnaires aujourd'hui. Ils veulent prendre le contrôle de l'usine. Personne ne m'en a informé. Ils ont fait un carnage, monsieur. Et alors? Il y a des blessés? Des morts? Je sais pas. Des tirs? Non, mais ils sont tous attachés. Mais de quoi est-ce que vous vous mêlez, alors? Qu'est-ce que ça peut bien vous foutre, franchement? Qu'est-ce que je fais, alors? Pete, occupe-toi de lui. Comment ça? Qu'est-ce que vous allez, faites? Allez, suis-moi. Et les gardes? Allez, allez! C'est pour votre bien. Hé, hey, écoute, Nicky. Mon gars, t'as l'air débordé. Laisse-moi t'aider. Oula! C'est quoi, ça? Y a plus de courant? Service ingénierie. Hé, les ingénieurs, vérifiez le générateur.
C'est bon pour les générateurs ? C'est réglé. Hier, c'était la saisie des armes, et aujourd'hui, c'est le courant. Quelle poisse ! C'est comme ça que vous gérez ici ? Tu parles d'une société. Vassili Mikhailovitch, sachez que j'en parlerai à mon père, croyez-moi. Tout va bien en temps normal, mais hier, ils nous sont tombés dessus sans aucune raison. Si c'est pas les dossiers, c'est qu'il y a une erreur. On verra ça demain. On a d'autres affaires à régler. On y va. À tes ordres. Le courant est revenu ? Comment ? À tous les coups, c'est leurs ingénieurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les caméras fonctionnent à nouveau. Stanislav Olegovitch ! Viens voir ça. Qu'est-ce que... Tout le monde sur le terrain! Les assaillants sont dans les escaliers. Roma, suis-moi! Ferme! Juste une minute. Ça fonctionne pas, faut casser la porte. Ils ont piraté le système de sécurité. Je vous avais dit de pas tout informatiser. Nous n'avons plus de connexion. Il faut agir et vite. Agir ? Et comment ? On peut même pas sortir d'ici, on est tous bloqués. On est tous faits comme des rats. Arrête de jacasser, tu veux ? Ok. C'est qui ces gens ? On dirait des combattants, ils sont 20-30. Peut-être plus. On s'en occupe ? Avec les lames. Est-ce qu'on va les chercher ou pas ? Ils ne sont pas armés. Si ça continue, ça pourra finir très mal. Vous attendez quoi pour vous battre ? Si on fait ça, on pourra peut-être sortir vivant de... Ah ! Il me faut une batte. Faites vite, s'il vous plaît. Je crois que... qu'ils défoncent la porte. Ils veulent se battre, c'est ça ? Pardon, pardon. Messieurs, j'ai une offre à vous faire, assez rentable. Jouons carte sur table. Voyez-vous, messieurs, nous sommes ici pour racheter votre société à un prix raisonnable. Petit connard. Je vais te faire la peau, tu vas voir. Tout ce que vous voulez, mais vous pouvez pas m'arrêter. Abandonnez. Un Russe n'abandonne pas. Bouge pas. Viens, viens. Je t'attends. Pose ta hache, mon gars. Ah!
Il était cool ce coup, hein? Allez, venez, venez! Tu tiens mon épée, là! Ah ouais? Prends-la! Hé, toi! Tu joues pas trop avec nous, ok? Alors viens, allez, viens! Vous semblez avoir oublié les règles ici. Vous savez pas à qui vous avez affaire, et vous voulez prendre toute la part du gâteau. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Ouais, c'est ce qu'on va voir. On va pas se gêner, mon gros. On va te bouffer tout cru. Stop, stop! Qu'est-ce que vous faites, hein? Vous négociez? Voilà notre actionnaire. On négocie, en effet. Pavel Andrich, veuillez rejoindre la salle de conférence. Bien joué, les gars. Le plan a fonctionné. Vous m'impressionnez. Il ne reste plus que de la paperasse, mais ça, c'est mon domaine. Où est le directeur général? Si on n'obtient pas sa signature, notre transaction n'est pas légale. Illégal? Attends, c'est une blague? J'ai l'air de rire. Oh! Amenez-le-moi. Deux minutes. Comment il s'appelle? Je te le dirai pas. C'est parti. On va commencer le transfert des parts, d'accord? Tu te trompes si tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, espèce de connard. Ah ouais? Vous avez pas l'air d'avoir bien compris ce qui se passe, on dirait. Vous êtes de la vieille école, vous n'avez pas remarqué que le vent avait tourné. On est en 2020 maintenant, les gars. Ce dossier remarquable va beaucoup intéresser le procureur général. Chantage, escroquerie et enfin vol qualifié. Sans oublier votre syndicat de crime organisé. Tout ça pourrait vous coûter 15 ans de travaux d'intérêt général. Donc, aujourd'hui, vous allez tous payer, messieurs. Sans exception.
Une bande de rats, voilà ce que vous êtes. Et vous allez faire ce qu'on vous dit. Allez, qu'on en finisse. La porte est verrouillée. Je suis armé. Celui qui rentre, je le tue. Oh ! Je vais tous vous tuer, tous ! Hé, hey, mon pote, ça va ? D'où il la sort, son arme ? Calmez-vous et restez discret, on est en pleine transaction. Colonel, quelqu'un vient d'appeler la police, c'est cette commère. Mais écoutez ça, il dit qu'il a entendu tirer. À l'usine de vodka. Il y a toutes les caméras ou il en manque ? J'essaie de toutes les avoir. Il y a personne ici. Qu'est-ce qu'ils font là ? Il marche ce truc ? Colonel, vous pouvez ranger votre gyrophare. Ah, on a trouvé un accord. La transaction devait se faire dans le calme. Mais on a été discret. Un voisin vient d'appeler la police. Et il est du genre tenace, alors méfiez-vous. Sergueï Viktorovitch, je compte sur vous, je ne veux pas d'autres problèmes. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Alexander Vitalitch, pas d'inquiétude à avoir, tout est sous contrôle. Alex ! Tout va bien, vous pouvez partir. Encore debout à cette heure-ci ? Mais il est temps d'aller se coucher ! Allez au diable, Alex ! Occupez-vous plutôt de vos poulets ! Abruti ! J'ai besoin de vacances. J'en ai marre de tout ça. Dites, c'est possible que vous nous fiez à votre main. Dites-lui de se dépêcher. Non, je vous aide pas sur ce coup-là. Demandez à Vassili d'ouvrir la porte. Débrouillez-vous, mais je dois vérifier les allégations. En fait, le job a été un peu plus compliqué que prévu. Et je comprends que ce soit la panique de votre côté, mais on sera tous largement compensés, ok ? Appelez le bureau central, qu'on rigole un peu. N'oubliez pas que vous pouvez pas reculer, hein ? Saloperie. Ah ! Abruti. Ok, assez joué, les gars. Il faut qu'on ouvre la porte. Vous avez 5 minutes. Il est armé, c'est dangereux. Faites ce que je vous dis, d'accord ? Hé, hey, abruti. T'as qu'à l'ouvrir toi-même. Tu me gonfles, là. Je veux pas de problème. Moi non plus, tu sais. Laisse-la partir. V'là le chef. Viens là qu'on discute. Tu
Tu te planques, c'est ça? Tu t'es fait éjecter par l'armée? Alors tu te fais du blé avec des gangsters? On a nos propres lois. Quelle surprise. Monsieur Mihailovitch, monsieur. Frappez, frappez. J'en ai pas encore terminé avec toi. Les mecs dans ton genre, on les sèche. Oh. Je m'éloigne. Allez, bats-toi, soldat! Vas-y, danse, mon gars! Maintenant, tu vois qui sont les boss ici. Ok, finissons le travail. Vassili Mihailovitch, ça fait 15 ans que vous êtes dans le métier. Vous avez passé la date de péremption.
Vous tenez à cette usine? Je prends ça pour un oui. Bon, alors, si vous voulez pas qu'on abîme le joli minois de cette demoiselle, sortez signer les papiers. Un vrai sans-cœur, ce Mihailovitch. Allez, déshabille-toi. Lâchez-la! Baissez votre arme d'abord. On sait tous comment ça va se terminer, alors pas la peine de jouer les cow-boys. Du calme, ma jolie. Doucement, doucement! Baisse ton arme, papy! Doucement! La ferme! Bougez plus! Vite, tiens la porte! Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez le fusil. C'est quoi ton nom? Nikita. Et ça, c'est pas à vous. C'est à mon père. Attends voir. Ce visage. Nikita. Toi et ton grand-père aviez disparu. Personne ne savait ce que vous étiez devenu. Tu dois me comprendre. Ce n'est pas de ma faute. Je sais. Et l'entrepôt? Quel entrepôt? De quoi tu parles? Là où sont cachées les armes. Toi et moi, on sait comment ils sont. T'es devenu complètement fou, mon petit. Tu veux que je te rappelle ce qu'ils ont fait à ton père, hein? Où sont les armes? Tu peux toujours courir. On va tous se faire prendre, je te le dis. Bandits, policiers, tous. C'est pour le bien de tout le monde. Je sais où sont les armes. Je travaillais pour la police. Nos enquêteurs nous avaient menés aux armes. On avait trouvé des preuves. Ça faisait plusieurs mois qu'on avait commencé l'enquête sur cette affaire. Un mois après, mon boss a disparu. Et j'ai été licenciée. Espèce de sale fouineuse. Vous allez pas vous en sortir comme ça. T'es ici pour m'espionner, c'est ça? Salaud! Je vais vous détruire, vous entendez? Pour la vengeance? Non, pour la justice. Pourquoi tu fais ça? Ces gens sont capables de tout. Si je cède, ma famille est finie. Ils ne reculeront devant rien, il le sait, lui. Ce connard les a appelés. Vous les avez appelés? Appeler qui? Certainement pas. Ils viennent quand ils en ont envie. C'est qui? Ceux que tu cherches. C'est qui ces mecs? Colonel Ryabushkov, qui êtes-vous? On nous a demandé d'intervenir ici. On vient du QG. Ah, vous aussi, vous avez reçu l'alerte. Reste en dehors de ça, Nikita. Je ne veux pas que tu finisses comme ton père. Aucun signal. Appelez une escorte. Mon père était soldat. Et vous? Qui êtes-vous? Quel bordel. Ils ont jamais laissé personne entrer là-dedans depuis les années 90. Sonia.
Ils ont des flingues. Laissez-moi m'en occuper. Comment ça? T'aurais dû le faire avant. Tes supérieurs ne devaient pas être au courant, non? Appelle-les et règle ça vite. Alexander, tu veux une part de cette usine? Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce qui se passe ici? Quelqu'un peut nous expliquer? Bonsoir, messieurs. Nous fêtons la signature d'un contrat. Et à qui ai-je l'honneur? Je vous retourne la question, monsieur. Je suis le représentant du propriétaire. Du nouveau propriétaire. Et vos amis, qui sont-ils au juste? Des actionnaires? Ce sont des artistes. Des rappeurs. Je veux voir le directeur général. Vous savez, ça me dérange pas de répondre à vos questions. Mais qu'est-ce qui me dit que je peux vous faire confiance? J'imagine que vous devriez avoir un mandat. Ou un contrat de sécurité avec l'usine, ou quelque chose du genre. Alexander Vitalitch. Expliquez-moi ce qui se passe, si vous voulez bien. Bien, les artistes, montrez-nous vos papiers d'identité. Chef, vous savez... Nous, les artistes, on rappe seulement pour de la pizza et de la bière. Asseyez-vous. Ouais, nous, les mecs du quartier, on aime tous se mettre en danger. Tout ce qu'on veut, nous, c'est se faire du blé, pas se faire griller par les poulets. Nous, arrêtez, ce qu'on veut, c'est... Baisse ton arme, ok? Tu risques de te blesser. Toi et tes potes, vous remballez tout et vous partez.
Bande d'imbéciles. On doit partir d'ici. Vous auriez dû écouter mes instructions. On doit partir. Et vite. Ils ont dû appeler des renforts. Toutes les issues sont fermées. Il faut passer par le tunnel. Attends, la mission n'est pas terminée. Le directeur général doit signer les papiers, et j'ai besoin du technicien. Voyons voir. Pas d'armes, tu disais ? C'est comme ça qu'on règle le problème ? Du calme, mon ami. Soyons professionnels, s'il vous plaît, finissons le travail. Espèce de crétin. Bouge pas ! Bouge pas ou je tire ! Personne ne sort tant que je n'ai pas obtenu la signature du directeur ! Est-ce que c'est compris ? C'était un piège. Baissez vos armes ! Baissez vos armes ! Tu t'es bien foutu de notre gueule. Baissez vos armes tout de suite ! Trêve de bavardage, on sort vite d'ici. Baissez vos armes ! Lieutenant ! Calmez-vous. Rangez votre arme, s'il vous plaît. Le plus important, c'est de faire sortir tout le monde d'ici, d'accord ? Oui. Oui, d'accord, très bien. Commencez par détacher tout le monde. Il y a des bus à côté du deuxième atelier. On va passer par le tunnel. Vous allez partir avec eux. Qui sont ces gens ? Qu'est-ce que tu mijotes dans notre dos, salopard ? Hein ? Ce sont les vrais propriétaires de l'usine. Rassemblez tout le monde et montez dans les bus. C'est fini. On ne suit plus tes ordres. T'es sûr qu'il va venir ? Oui, j'en suis certain. Allez-y. Ok, changement de programme, les gars. Vous partez avec nous. Allez, on se dépêche! Vassili Mikhailovitch, dépêchez-vous! Allez! Quelqu'un d'autre est de la partie ?
Jetez vos armes! Mains sur la tête et sortez du bus sans faire d'histoire! Vassili, approche. Tu peux baisser les mains. Tu mens à ton partenaire maintenant. Tu m'avais dit que les tunnels étaient bloqués. Nous ne sommes pas partenaires. C'est tout comme pour moi. Qui est venu dans mon usine ? Vous y allez et vous me nettoyez tout ça. T'as perdu ta langue, voici. J'attends. Désolé, grand-père, je pourrais pas venir. Ce job est vraiment important. Je sais que c'est important pour toi. C'est mieux que ton père ne soit pas là pour voir ça. Allez, grand-père, je suis un soldat. Tu sais, un soldat défend sa patrie. S'il n'a rien à défendre, alors c'est un bandit. Pense-y, Nikita. Et sois prudent. Assieds-toi là. Combien de temps ? 15 minutes. Ok, messieurs. Je vous repose encore la question. Qui a organisé l'attaque ? Je vous donne 10 secondes pour répondre. Celui qui parlera aura la vie sauve. Je compte. 1. 2. Je suppose que vous êtes le chef. Je suis un bon. Alors, messieurs, qui avait envie de se battre ? Reste assis. Allez. Impressionnez-moi. Assis, asseyez-vous, je vous dis. Obéissez! Enlève ces menottes. C'est pas se battre ? On vous apprend quoi, à l'école ? À jouer aux cartes ? Assis !
Équipe 2, équipe 2, vous me recevez? Équipe 2. Équipe 2, tout va bien? Tout est clair? Oui, monsieur. Alors allons-y. Nikita, je savais que tu viendrais. Merci bien. Commandant. Tu n'as pas de regrets? Des remords? Bienvenue à la guerre. Ceux qui ont les mains libres, détachez les autres. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous allez bien? Rejoignez l'arrière du bâtiment, vous trouverez des bus. Faites attention. Allez, dépêchez-vous. Allez, allez! Doucement. Soldat, continuez sans moi. Je m'occupe de lui. Allez-y. Avancez.
Qu'est-ce que tu fais? Et on doit partir, et au plus vite. Je reste. Bon sang. Tu vas rester. Et pourquoi faire? Tous mes gars ont été tués. C'est pas vrai. Je rêve ou quoi? Tu peux pas... Alors, je reste avec toi. Moi aussi, j'ai des raisons. Et on doit les couvrir. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Apparemment, j'ai pas vraiment le choix. Suivez-moi, on doit partir. Vite. Qui est là? Nikita, c'est toi? T'es en vie? Thank you.
vous couvre. C'est fini. Jette tes armes. Je peux savoir qui tu es. Nom de code, Yasha. C'est ça ton nom? On peut dire ça. Pourquoi cette troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il y avait un autre moyen? On vous appelle le fantôme. Vous êtes discret. C'est pour l'argent, c'est ça. Je peux t'en donner, si tu veux. J'ai besoin de gens comme toi. Je n'ai pas besoin d'argent. Alors qu'est-ce que tu veux? La justice. La justice? Et qui va me juger? Toi? Je ne vais pas te juger. Mais te tuer. Tu sais quoi? Je t'aime bien, Yasha. Come on.
Nikita? Est-ce que ça va? Viens, on doit partir maintenant. Non, je pars pas. Pete, aide-moi à le relever. Je dois tous vous arrêter. Comment ça? C'est la meilleure chose à faire. Oh. Non, Nikita. Il nous a tous sauvés. C'est pas un criminel. Allez, viens. Non. Nikita, qu'est-ce que tu fais? Fais pas l'idiot, s'il te plaît. Lève-toi, on n'a plus le temps. On doit partir d'ici. Ils vont te faire tuer si tu restes. C'est pour ça que je suis venu ici. Je ne veux plus fuir. Je suis un soldat. Накормленный кровью, наломал дров, дом кровный, не помню. Ведь у меня приказ стоять ровно, так чтоб ни один мой мускул не дрогнул. Жизнь, как подстреленные штаны, подстреленные товарищи, разговоры, что мы не доживем и до завтра. Смерть придет к нам внезапно, и меня зря ждет дома семья. Я солдат, если мог бы, то выбросил я свой автомат. Я закрыл бы от страха глаза. Я бежал бы назад, но нельзя. Я ползу по земле, как юрза, без надежды на завтра. Смерть над ты со мной, я с ней на вы. Близни ко мне в стакан со фронтовых. Давай поднимем за мир, брат. Уж если жить не самим так, хотя бы нашим детям пусть не придется стрелять. Пусть наконец-то остынет земля. Давай поднимем за то, что скорее осталось все в прошлом. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Мира. Но нас с тобой на своих и чужих. На своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Разделила. Больше мира нам хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Мира. Но нас с тобой на своих и чужих. На своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Разделила. Нет вернуться в родные края. Нет сказать, где творец порога. Папа, это я. Нас отцов осталось немного. Но мне не бросится на шею жена. От счастья не зарыдает мама. С тех пор, как дали оружие нам, вместо сердца холодный камень. Ой, мама, что с нами сделала? Это война. Увидеть луч света белого в этой кромешной тьме бугайна. Убивая таких же, как я, мне герой, мне стать. Мама, где все твои сыновья? Мама, нам здесь не место. Мы забыли про честь. Эти книги про честь. Мы забыли поспать и поесть. Зато помним про месть. И нами мертвыми гордится страна. И подвиг наш воспевают в песнях. Да только мы не перестанем страдать, пока не оставим на земле живого места. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Но нас с тобой на своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила. Разделила. Больше мира нам хочется жить. Хочется жить, хочется жить. Больше жизни нам хочется мира. Мира. Но нас с тобой на своих и чужих, своих и чужих, своих и чужих. Эта жизнь на войне разделила.